Salut à tous les gars, aujourd'hui on va commencer une T'as vu derrière aventure là? avec T'as vu derrière? Warren Regarde sans sa vie. vie. J'ai leaké mon blaze, T'as vu derrière, wesh. Yo tout le monde, c'est ce qu'il y a. Je suis en compagnie de à ma droite EHN Mugiwara et à ma Salut. gauche Namsco Mugiwara. Salut. Bon les gars, du coup on recommence une toute nouvelle aventure sur Grand Peace Online. Comme je vous le disais, on a tous des comptes qui sont niveau 1 avec 0 de stats. Mis à part peut-être Namsco qui aurait pris un petit peu d'avance, je crois. Namsco, je te laisse nous expliquer un peu. Je suis niveau 15 à peu près, mais j'ai pris un spirisé donc j'ai 0 de stats. Ça passe, je pense. Ouais, si t'étais vraiment niveau 15, ça passerait, je pense. Non, mais en tout cas, les gars, il a mangé un Spirizette, il va mettre ses stats au fur et à mesure comme nous, donc au final, ça change rien du tout son niveau. Bon, on a pas mal d'avance sur nos autres comptes, etc. On ne va rien se give. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est vraiment de commencer GPO comme si on le commençait cette année-là. Sauf qu'on se fait un petit kiff. Et on commence tous avec un fruit qu'on n'a jamais joué, les gars. Donc, j'aurai Tori, EHN Kage et Namsco aura le Tori aussi. Donc, on va avoir deux mythicals et un légendaire pour commencer. Ça va être super cool. Et puis voilà, hein. Tadam, je mange le Tori. Ça y est les gars, je suis un phénix. Oh, je suis content. Oh, je suis content de fou. Oh. Oh, c'est trop stylé. J'avoue que Tori c'est cool. En plus, ah mais maintenant c'est même plus un sort en fait les pattes de Tori. Non, Avant c'était c'est un pas sort. plus cool. Faut savoir les gars, ce qui nous a incité en fait à recommencer le jeu, c'est que EHN commence Grand Peace Online, c'est son tout premier perso. C'est pour ça qu'on était chaud de recommencer avec lui. Ça y est les gars, la première quête sur cette aventure. Vous allez nous suivre au travers plusieurs épisodes jusqu'au level max et peut-être même au-delà. Putain, c'est trop bien, tu reprends ta vie et tout. Oh. Ah, j'ai eu le bandit eye patch, premier coup. Trop cool. Trop trop Oui, cool. il faut que Oh, je ici tombe je crois. drop, non? De quoi? Ouais, c'est 5% je crois. Non, c'est 50% je crois pour Ah, le 50%. Niveau 4, let's go. La chaîne niveau combien? 4. En plus les gars, ce qui va être cool avec cette série, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent GPO, surtout sur ma chaîne. Et du coup, vous allez pouvoir voir un peu comment commencer. On présentera des astuces au fur et à mesure des épisodes, parce que nous on connaît pas mal le jeu. Et vu qu'on a EHN avec nous, on va bien lui présenter toutes les spécificités, les astuces, comment bien faire pour XP, etc. Du coup, vous allez pouvoir apprendre au travers de nos vidéos. Là les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais tout mettre en fruit. Parce que juste, j'ai trop hâte de découvrir les techniques de Tori. Ouais. En gros, tu fais virgule. Là, le Ouais, en truc gros, tu en vas dans... violet. Ouais, et tu mets 15 points dans fruit. Et en fait, les points que tu mettras dans Fruit du Démon, ça correspond aux points pour les capacités à droite que tu dois débloquer. Ok. Et nous, du coup, en tant que Tori user, c'est force qu'on met, on est d'accord. Hein. Oui. Je mets les 15 dedans. Ouais, tu peux mettre les 15 dedans si tu veux débloquer ta première compétence, ou si tu veux équilibrer, Voilà, t'as la première compétence de Kage! Ah non, il s'est déplacé. Ouais. Moi j'ai pensé à faire ça tout à l'heure. On sait jamais que quelqu'un arrive dans la Mon bug. pourra, il arrive. Ouais, c'est ça. Ah les gars, vous avez vu sur les bouquins? Le pire, c'est qu'il ferait Non, vraiment ça. il fait vraiment ça, il a Non, fait c'est ça genre. hier. C'est genre. Namsco, regarde mon stream, regarde mon stream. On voit un truc de ouf. Tu sais, quand il fait ça, je le vois en taré de ouf. Ouais, mec, avec encore de la coke sur le bureau partout. Bon, du coup, les gars, finalement, après réflexion, on a pris la décision d'aller chercher un All Saints Guys parce que, vu toutes les heures qu'on va passer sur les serveurs à XP, etc., à découvrir le jeu, à redécouvrir le jeu, du moins, ça serait vraiment dommage de passer à côté des fruits qui vont spawn. Du coup, voilà. Puis vous savez très bien que de toute façon, la plupart des fruits qu'on a, c'est pour les giveaways, vu qu'on a déjà pas mal de fruits pour nous. Donc voilà, dites-vous que c'est pour vous aussi. Donc Namsco est parti chercher un All Seeing Guys sur un de ses comptes. J'irai peut-être en prendre un aussi sur un de mes comptes pour moi, à voir comment ça se passe. Mais de toute façon, vu qu'on jouera toujours à 3, un seul All Seeing Guys suffira normalement. Ah, j'ai plus stun. Ouais, c'est parce que tu Encore fais des plus. dash, toi. Non, je fais des dépôts encore pire. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'une seule Gepo. De dire ça comme si c'est pas toi qui me l'avais payé. C'est vrai que je te faisais chier pour aller faire des cibistes avec moi.
sais, avec ton premier Sibis que t'as tué, t'as pris 40 levels. Et tout à l'heure, t'as osé me dire, ouais, je suis niveau 15. J'espère que ça sera coupé au montage, le sang. Ah, ouais, 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 t'inquiète. En plus, on grandit quand on active les pieds de Tori. T'as vu? Ouais. Alors là, mes cheveux, ils arrivent. C'est trop cool. En attendant qu'ils XP, les gars, je vais vous dire un peu ce qu'il faut faire quand vous venez d'arriver à la première île. Premièrement, vous faites cette quête là. L'appel, il faut surtout pas l'acheter, ça sert à rien du tout, les gars. Dépensez pas vos sous pour ça. Il y a plein de choses hyper importantes à acheter avec vos sous au début. Et c'est vraiment galère d'avoir des sous au début. Même nous, on va essayer de mendier à des joueurs. Une fois que vous êtes là, vous allez monter à cet escalier juste ici. Et si vous farmez en solo, c'est hyper intéressant d'acheter le fusil qui est juste là. Ah, let's go. Vous allez pouvoir tirer sur les mobs, ils vont venir vers vous sans aggro toute la masse. Et ça, quand on est en solo, ça peut sauver des vies vraiment. Et ensuite, au niveau des bateaux, il faut acheter celui à 2000 si vous pouvez. Donc celui qui est juste là. Pourquoi je peux pas acheter? Ah oui. J'étais en mode comme ça. Donc celui-là qui coûte 2000, la caravelle. Si vous êtes en solo, économisez jusqu'à ça. Vous prenez pas la peine d'acheter celui-là. Je trouve qu'il est vraiment nul. Après, si vous n'avez pas l'argent, achetez-le. Et hyper important, partez pas sans le marteau. Moi d'ailleurs, je vais l'acheter tout de suite. Ne partez surtout pas sans le marteau. Le Denden Mushi, ça permet juste de contacter les joueurs d'un peu plus loin. Mais le marteau, vraiment, c'est hyper important. Là, on a fini la première île. On est tous niveau 15. Namsko est un peu plus, vous savez. La direction Sandora pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, que l'aventure vous hype un petit peu. Moi, en tout cas, je suis hyper chaud. Je pense que les gars aussi, surtout la chaîne qui découvre le jeu. On se voit pour l'épisode 2. A bientôt, les gars. C'était ce qu'il y a. Bisous. Dites au revoir, non? Au revoir. Donne pas, t'es mort. Mais oui. Vas-y, finis-le, appuie sur B. On le laisse pas partir sans sous. Yes, tu le gardes ici.